Moun Saint-Luce, Moun Martinique, Moun Guadeloupe, Moun La Réunion, Moun Guyane, Moun Cachopa, Moun qui en France, Moun Olivon la terre, bel bonsoir. Jodi a nous jeudi 4 juillet 2019, nous quartier désert du Fond La Réunion Saint-Luce. Après toute qualité modèle Réunion, après toute qualité concertation, à toute qualité intervention que nous tenons. Il te dit que par bord le 30 juin, il te dit un projet de chemin sentier littoral pour passer entre quartier désert et Lance-Mabouya. Nous te savons que ça c'était un annonce qui va dégager la route. Parce que il dit que c'était pour le dimanche 30 juin. Moi, pas jamais, ouais. Pièce service, l'État français fait annonce en week-end. Donc, nous déjà savons que ça, c'était un arnaque. Il n'a pas même fait attention que jour, ou que il a dit que il était bas en chimé, c'était en dimanche. Donc, déjà, nous déjà savons que c'était un bail d'un qui était là. Alors, nous qui étions des jours passés, et nous avons constaté qu'il y a même des propriétaires qui mettaient des portes à flèche. Alors, quand ils veulent passer hein, sous Jean B, mais qui dissuasif. Ils savent bien que les gens qui ont fait ça, ils ont fait demi-tour. Mais nous passons à l'air. Et nous constatons qu'il y a des modèles propriétaires. Il y a des propriétaires qui font comme M. Tala, c'est-à-dire que, qui font des bails dissuasifs. Et puis, il y a des propriétaires, au contraire, qui tuent les clôtures, qui ont viré faire les clôtures, afin de respecter volonté, mais légitimité à passer. Donc, dimanche 7 juillet qu'à venir, je vais répéter dimanche 7 juillet qu'à venir, nous sommes venus à Nevers marcher, emprunter le sentier littoral. Alors, évidemment, il y a dit que nous sommes que nous agressifs, etc. Nous avons rappelé, regardez la mer, il y a marée haute. C'est une véritable agression de faire mon passé en de l'eau en mer et puis dire que ça c'est un chimé. Nous avons rappelé que ici, il y a étinué là, on voit bien entre niveau sable là et puis niveau étinué là, que c'est un remblaiement qui fait et qu'il n'y a pas de autorisation pour faire un remblaiement. Si c'est quand il y a l'autre, il y a qu'ils apprennent un tracteur pour caser, pour faire soi-disant respecter le statut littoral. Mais comme ici, il y a des gens qui soi-disant ni en niveau social dit élevé. Je vais bien dire dit élevé, parce qu'il y a des hiérarchies bizarres. Ça veut dire que parce qu'on peut exercer telle ou telle profession, on ni droit privé moun dit en liberté au profit dit en simple privilège personnel. Donc nous avons dit que ça c'est un vagabondage et nous avons souhaité que tout le monde vienne marcher dimanche à Nevers, dimanche 7 juillet à Nevers, à le chemin littoral là, et puis nous maintenons la présence nous pour dire aux autorités qu'il n'y a pas qu'à faire en Bretagne. Et si ça prend 32 ans pour que tu fait un chemin électoral, nous avons dit que ça suffit. Nous n'avons pas ni confiance en disant autres, nous ni confiance en présence nous, en ça nous avons manifesté. Nous ne pouvons pas couillonner les gens et puis annoncer des dates qui sont des usurpations. Et donc nous avons dit très clairement que nous n'avons pas ni confiance en pièce autorité qui quittait ces bagarres à la fête. Donc nous avons appelé tous les groupes politiques, toutes les associations, toutes les personnalités qui t'ont appelé à manifester le 5 mai, à venir joindre un mouvement qui a permis de dire que ce n'est pas un coup que nous sommes venus faire, mais que nous avons une véritable volonté de faire en sorte que nous respections l'être humain, la famille martiniquaise et l'être humain en général, au Liron Martinique, au Liron Guadeloupe, au Liron la Guyane, au Liron la Réunion, au Liron Cachopa, au Liron toute la terre. Merci en pile, force et en pile l'amour à tout le monde.